Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons revenir sur ce soir sur la découverte archéologique qui atteste que l'Algérie est un nouveau berceau de l'humanité. L'Algérie occupe dans le panorama de la préhistoire mondiale une place de premier plan. Le nombre, la qualité de ses gisements du plus ancien paléolithique jusqu'à la proto-histoire lui confère une position d'exception. Par la diversité de son espace géographique, elle est impliquée dans la plupart des grands problèmes qui concernent l'humanité ancienne. Pour évoquer cette histoire plusieurs fois millénaire qui a façonné à travers les siècles l'Algérie, nous allons tenter ce soir de brosser une fresque près de 2 millions d'années et qui concerne un pays étalé des rivages méditerranéens jusqu'au Sahara. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Farid Kharbouch, directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Monsieur Farid Kharbouch, bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir également de recevoir par Skype, à partir des États-Unis, Monsieur Mohamed Sahnouni, anthropologue et préhistorien. Monsieur Mohamed Sahnouni, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Farid Kharbouch, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la lumière des dernières découvertes, notamment celle de Aïn Bouchrit à Sétif, que l'Algérie est un nouveau berceau de l'humanité? Je crois qu'on peut le dire, effectivement. À l'issue de la publication qui a été faite en novembre 2018 dans la prestigieuse revue Science, donc par les travaux du professeur Sahnouni et son équipe, cette date de 2,4 millions d'années place l'Algérie parmi les pays les plus anciens en termes de peuplement humain, juste après ceux de l'Éthiopie, Gona, qui est de 2,6 millions d'années. Donc là, il y a une rupture vis-à-vis des théories qui étaient véhiculées jusqu'à maintenant, que l'humanité est issue d'un seul foyer, d'un seul berceau, mais finalement de plusieurs berceaux. Et l'Algérie compte parmi ces berceaux-là, quasiment contemporain de ceux de l'Afrique de l'Est. Le Centre de recherche nationale préhistorique, anthropologique et historique a réalisé justement un document concernant cette découverte. Je vous propose de le suivre et revenir tout à l'heure pour discuter de cette découverte. Visant à comprendre les plus anciennes occupations humaines en Afrique du Nord, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique mène un grand projet de fouilles et de recherches archéologiques dans le bassin de Oued Fouda, dans la commune de Geltazarga, à 7 km de l'ouest de la ville d'El Holma, dans la wilaya de Sétif, dans le nord-est de l'Algérie. L'Algérie, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, est quasiment un continent. Sur le plan de la préhistoire, à l'échelle mondiale, c'est un pays très important. Pourquoi ? Parce que nous avons une très grande diversité de sites préhistoriques et un très très grand nombre de sites préhistoriques. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que tous ces sites représentent différentes périodes de l'évolution humaine, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis que l'homme était chasseur-cueilleur, donc sa subsistance dépendait directement des ressources naturelles, jusqu'à ce que l'homme accède à la production de sa subsistance par l'élevage, par la pratique de l'agriculture. Les fouilles ont actuellement lieu sur les sites préhistoriques de Aïn Bouchrit, Aïn Lahnech et El Gharba, tous trois situés dans le bassin de Oued Fouda à Geltazarga. Sous la direction du professeur Mohamed Sahnouni, quaternariste et préhistorien, les fouilles sont réalisées l'été, dans des conditions caniculaires, où une quarantaine de chercheurs et d'étudiants sont mobilisés. Thank you.
Les restes paléontologiques et archéopaléontologiques mis au jour dans des niveaux stratigraphiques datés de 2,4 millions d'années sont ceux d'ossements d'une faune aujourd'hui totalement disparue et dotylitique. Ces outils ont été utilisés par des hominidés pour dépecer des carcasses d'animaux qui vivaient sur les berges d'un lac d'un paysage de savane. Les précieuses découvertes ont eu un retentissement mondial après la publication d'un article relatant les résultats des recherches dans la prestigieuse revue américaine Science. Pour la première fois, on découvre en dehors d'Afrique de l'Est des outils, une industrie lithique associée à une faune qui porte aussi des traces de découpe, ce qu'on appelle en anglais des cut marks, et qui sont datées de près de 2,5 millions d'années, et qui confirment de façon tangible que tout le continent africain était un centre d'émergence de culture humaine, et l'Afrique du Nord, et en l'occurrence l'Algérie, a joué un rôle dans les débuts de la culture humaine. Les archéologues détiennent des preuves tangibles que les premiers humains ont vécu à cet endroit. Et cela fait du complexe de fouilles de El Hanej, El Bouchrit et El Kharba un site d'importance mondiale que beaucoup de chercheurs du monde entier veulent visiter. Toutes les conditions de préservation et de fossilisation de restes biologiques sont présentes dans le bassin de Wadi Fouda, affirme le professeur Sahnouni, qui ne désespère pas de découvrir un jour des restes d'hominidés, nos lointains ancêtres, ce qui serait une autre grande première mondiale. Pourquoi le CNRPH donc, engage des recherches dans ce domaine de la préhistoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'histoire ? C'est parce que d'une part, c'est un centre de recherche qui contribue à produire la connaissance au niveau universel, mondial, et qui est reconnu, publié. Mais aussi, c'est pour faire connaître aux Algériens leur patrimoine ancien, archéologique, matériel, immatériel, qui est une source de fierté, parce que l'Algérie, comme je l'avais dit tout à fait au début, c'est quasiment un musée à ciel ouvert. Donc on a une très très grande diversité de sites préhistoriques, même historiques, hein, parce qu'il y a une partie aussi de l'histoire de l'Algérie dont nous avons des vestiges très importants. Tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, les sites de Timga, de Djimila, les mausolées de l'époque numide, donc ce sont des vestiges d'une période historique très très importante aussi, qui méritent d'être étudiés avec le plus grand soin possible. C'est là un document réalisé par le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Monsieur Farid Kharbouche, est-ce qu'on peut dire que le site de Ain Bouchrit est un haut lieu de la préhistoire ? Absolument, on peut le dire, c'est un haut lieu de la préhistoire, pas seulement algérienne, mais mondiale. Compte tenu des résultats que j'avais évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire une datation de 2,5 millions d'années qui le place quasiment parmi les tout premiers sites en termes de datation et qui constitue effectivement, on peut le dire, pratiquement sans complexe, un des berceaux de l'humanité, hein. Un foyer de l'émergence de la civilisation humaine qui est quasiment contemporain de ceux de l'Afrique de l'Est, de l'Éthiopie. Est-ce que les dates qui ont été avancées, c'est 2,5 millions d'années, donc les fossiles qui ont été découvertes à Ain Bouchrit remontent à 2,5 millions d'années, absolument. D'années. C'est une datation, le professeur Sahnouni va le dire tout à l'heure, oui, avec beaucoup plus de détails, mais
C'est une datation qui est absolument précise et obtenue selon plusieurs méthodes de datation, justement, qui se recoupent sur le même résultat pour lui donner une importance, une fiabilité forte. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette découverte a été publiée dans la prestigieuse revue Science. Sinon, il n'aurait pas été possible de publier un résultat scientifique bancal dans une revue comme la fameuse revue Science. Donc c'est effectivement une datation qui est fiable et qui est tout à fait maintenant reconnue dans la communauté scientifique mondiale. On va essayer de joindre M. Sahnouni, qui est avec nous à partir des États-Unis. Monsieur Mohamed Sahnouni, rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la portée de cette découverte que vous avez donc réalisée à Ain Bouchrit? En effet, la découverte et les recherches effectuées à Ain Hanesh et à Ain Bouchrit ont une double portée, une double signification. La première, c'est un niveau local, régional, c'est-à-dire un niveau de l'Algérie. Pour la première fois, nous avons une chronologie précise qui montre le début du peuplement humain en Algérie. Avant cette découverte, on avait des estimations très floues qui ne sont pas basées sur des données scientifiques solides. On ne savait pas si c'était 1 million d'années, 1,5 million, moins d'1 million d'années, etc. Et si on lit les littératures, il n'y a pas de choses prises. C'est-à-dire, les découvertes d'Ain Bouchrit ont démontré de façon très, très scientifique que le début du peuplement préhistorique en Algérie débute à peu près à 2,5 millions d'années. Et aussi, les découvertes, le site de Ain Hanesh, Ain Bouchrit, ce n'est pas une seule occupation, c'est une succession d'occupations humaines qui s'étalent sur une échelle de temps entre 2 millions, pour arrondir 2,5 millions, jusqu'à 1,6 million, 1,5 million. Donc c'est une succession d'occupations humaines à travers le temps. Et ces recherches aussi ont montré non seulement tout le caractère comportemental de ces populations humaines très très anciennes. Ça, c'est au niveau local. Maintenant, sur un niveau global. Au niveau global, aussi, ça a une signification très très importante où les choses sont en train de changer pour dire que tout le continent africain était un centre d'émergence de la culture humaine et aussi du genre humain ou le genre homo. Avant, on croyait que c'était seulement concentré dans le rift est-africain, c'est-à-dire concentré en trois pays, où les premiers humains ont émergé avec leur culture et puis ils se sont répandus d'abord sur le reste du continent africain dans une première étape, après en dehors du continent africain. Les découvertes d'Ain Bouchrit ont clairement changé ce modèle ou ce paradigme en maintenant, en affirmant que tout le continent africain, y compris l'Afrique du Nord, au nord, tout près au bord de la Méditerranée, que la culture humaine, la technologie humaine a émergé aussi en même temps, quasi contemporain avec l'Est africain. Et cette donnée nouvelle est en train de changer et je reçois des sollicitudes d'informations, etc. Et je sais que les manuels de préhistoire enseigné un peu partout dans les universités mondiales, y compris ici aux États-Unis ou au Canada, sont en train de changer ces données-là pour faire montrer que tout le continent africain, y compris l'Afrique du Nord et l'Algérie, ont joué un rôle dans l'émergence de la culture humaine. Voilà. Alors, dans le vocabulaire de l'anthropologie, on parle de l'homo erectus. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs cette notion? Bon, l'Homo erectus, c'est une espèce humaine qui a émergé aux environs, pour les données actuelles,
1 700 000 et qui est apparu en Afrique et elle s'est répandue sur le continent africain et après en dehors du continent africain. Bon, les sites d'Aïn Bouchrit et Aïl Hanesh se réfèrent à une espèce encore plus ancienne que Homo erectus. Peut-être ce serait Homo habilis, peut-être Homo rudolfensis, on ne sait pas encore. Il faut le trouver, on ne sait pas. Pour le moment, on sait que c'est le genre Homo. Mais l'Homo erectus, c'est une espèce humaine qui vient après et qui est un petit peu plus évolué morphologiquement, anatomiquement par rapport à celle d'Homo habilis ou rudolfensis. Ils sont plus évolués, que ce soit au niveau biologique, anatomique, mais aussi sur le niveau comportemental. Parce que l'Homo erectus, il a inventé une technologie un peu plus avancée, sophistiquée, par rapport à la technologie holdovoyenne qui a été inventée par ces premiers humains, que ce soit Homo habilis, rudolfensis, ou erectus, c'est quoi. Voilà. Est-ce que ces découvertes de Aïn Bouchrit, Aïn Hanesh est un présage de nouvelles découvertes dans le futur en association avec le Centre national de recherche anthropologique, préhistorique et historique? Très possible, si on continue les recherches et si on cible des sites à potentiel géologique, paléontologique et archéologique, sûrement on va découvrir encore des choses. Les sites d'Aïn Bouchrit, Aïn Hanesh ne sont pas une exception, ne sont pas, comme je l'ai dit au début, au niveau d'Aïn Bouchrit, il y a une succession d'occupations humaines. Pas seulement, on a au moins 6 ou 7 occupations holdovoyennes qui s'étalent entre 2,5 millions et 1 million de sites à Aïn Hanesh, Aïn Bouchrit. Et à mon avis, il y a encore un grand potentiel pour découvrir non seulement des sites similaires à Aïn Bouchrit et Aïn Hanesh, mais aussi peut-être encore plus vieux. Même au niveau d'Aïn Bouchrit, on a encore des dépôts qui vont jusqu'à, pour le moment, plus de 3 millions d'années, 4 millions d'années, où on a découvert des fossiles d'éléphantidés, de grandes tortues géantes, etc. Et à mon avis, il est très possible de découvrir d'autres sites dans des bassins myo-plio-pléistocène qui s'étalent tout au long du nord de l'Algérie, entre l'Atlas tellien et l'Atlas saharien. Et ces bassins, ils se sont formés par le fait, en conséquence de la tectonique, et depuis il y a 15 millions d'années, c'est-à-dire 1,5 million moyen, et ils se sont remplis de sédiments et aussi de restes fossiles et de restes culturels tout au long du temps. Et il est très possible, si on continue les recherches dans ces bassins sédimentaires, on va découvrir des choses encore plus fabuleuses. Il reste aussi la potentialité de potentiel de trouver des choses au Sahara. Le Sahara pose encore des problèmes de préservation de sédiments parce que les conditions de sédimentation ne sont pas aussi, parfaites comme au nord, mais il est tout à fait possible de trouver, de localiser des poches sédimentaires où ont été préservés des restes importante, potentiellement importante, au Sahara, au Sahara. Et on a un bel exemple au Tchad, où une mission paléontologique franco-tchadienne a réussi, disons, les années 90 et les années 2000, à découvrir, par exemple, les restes d'Australopithèque Abel dans le désert du Jura, et plus tard, les restes qu'on connaît, le Toumaï, daté de 7 millions d'années. Comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle les méthodes de télédétection, où ils ont retracé l'évolution des rives du lac Tchad
à partir de 20 millions d'années, de 17 millions d'années, et il aura été possible de découvrir des fossiles en suivant l'évolution des rives de ce lac et qui ont abouti à la découverte, comme je l'ai dit, des mandibules, des restes d'Abel équivalents de l'Australopithèque. Et puis, M. Sloan, il y avait cette découverte dans la région d'El Bayab, des fossiles de dinosaures. Ce sera peut-être ma dernière question avec vous. Oui, les dinosaures, oui, bien sûr, il y a un potentiel. L'Algérie, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a toutes les périodes géologiques, elles sont présentes. Bayad, c'est bien Brezina, Bayad sont très connus pour les dinosaures, mais les dinosaures, on y a encore, c'est plus ancien de 70 millions d'années. Les derniers dinosaures ont vécu jusqu'à 70 millions d'années, avant entre 100 millions et 130 millions d'années. Mais bien sûr, il y en a tout, on a tout. Mais moi, je me réfère beaucoup plus aux périodes un peu plus récentes que le dinosaure, c'est-à-dire les périodes géologiques. Disons en relation avec l'émergence des premiers humains ou le peuplement préhistorique humain en Algérie. Voilà, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions à partir des États-Unis. Merci, M. Mohamed Sahnouni. Merci de l'invitation. Allez, au revoir. Au revoir. Monsieur Farid Kharbouch, on vient d'écouter Mohamed Sahnouni qui a évoqué la portée et l'importance de cette découverte de Ain Hanech, Ain Bouchrit à Sétif, avec la contribution évidemment du centre de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Est-ce que le centre est aujourd'hui dans cette perspective de poursuivre ses recherches? Le centre mène des recherches donc, au niveau du territoire national depuis plusieurs années, et notamment donc, le site de Ain Bouchrit Ain Hanech. Nous avons une campagne de fouilles annuelle, généralement qui se situe en été. C'est à cette période-là qu'on peut réunir un maximum d'étudiants, etc., qui ont... Ouais. Donc les recherches, elles se poursuivent. Malheureusement, avec le Covid maintenant, tout quasiment s'est arrêté. Donc on ne peut pas réunir beaucoup de personnes en même temps, dans un même endroit. Mais en attendant, il y a une interruption au niveau des recherches sur le terrain, mais il y a des recherches qui se poursuivent au niveau du laboratoire, au niveau des analyses, et c'est l'occasion aussi des datations, des analyses du matériel archéologique qui est déterré. Hein. Alors, quantitativement, ce qui a été découvert, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu à peu près de ce qui a été découvert récemment, donc Ain Bouchrit? Alors, Ain Bouchrit, c'est comme l'a précisé tout à l'heure le professeur Sahnouni, c'est un site où on n'a pas encore découvert les restes humains, mais on a découvert les outils fabriqués par les hommes, on a découvert aussi des ossements d'animaux consommés par les hommes, et on a la preuve que ces restes de faune, d'animaux qui ont vécu à cette période-là, il y a 2,5 millions d'années, ont été chassés, enfin, consommés par les hommes, parce qu'on a des traces de découpe qui sont restées sur les ossements. Donc c'est ça qui prouve que l'homme est passé par là, il a consommé, il a accumulé toute cette faune, donc toute cette viande qu'il a consommée, il a laissée sur place avec ses outils qu'il a fabriqués. Et ces outils, on les découvre par centaines. Donc c'est des outils caractéristiques de la culture oldowayenne. Donc ce sont des outils assez rudimentaires en termes de la préhistoire. C'est des galets aménagés, des éclats, etc., faits sur des matières locales. Ouais. C'est les bifaces, par exemple, également. Non, les bifaces, justement, c'est un outil très élaboré qui va apparaître beaucoup plus tard. Plus tard, oui. Ailleurs, on trouvera notamment, même à Ain Hanech, hein, il y a certains niveaux de hacheliens. Mais le site le plus représentatif de cette culture hachelienne, c'est le site de Ternifine. On pourra en parler tout à l'heure. Oui, oui. Où il y a des découvertes très, très importantes pour l'histoire de l'Algérie. Justement, sans plus tarder, j'aimerais bien revenir sur également cette découverte de Ternif dans la wilaya de Mascara. Et je pense que c'est la première découverte qui remonte à 1954. C'est ça. Le site, en fait, il est connu depuis l'époque coloniale. Il était à l'époque connu pour un site essentiellement paléontologique.
Et même, on a découvert justement sur ce site de Ternifine des restes humains. Des restes humains, donc des mandibules d'Homo erectus, et qui sont en train d'être datés maintenant avec les nouvelles méthodes de datation, pas loin de 1 million d'années. Donc c'est ce qui fait de ce site, de ces 7 hommes, le plus vieil Algérien connu. Hein. Donc notre ancêtre algérien, on peut le dire aujourd'hui, il a plus d'un million d'années. Ceux qui ont été découverts à Ain Bouchrit, donc des hommes qui ont vécu à Ain Bouchrit, donc on ne les a pas découverts physiquement, on a découvert leurs traces, c'est-à-dire leurs outils, les restes de la faune qu'ils ont consommée. Mais à Ternif, à Maskar, on a découvert ces individus eux-mêmes, donc leurs mandibules, qui sont effectivement les plus anciennes en Afrique du Nord maintenant. Alors, ce site de Ain Bouchrit était également riche en matière donc, d'outils qui ont été révélés par les chercheurs à l'époque. Très très riche, effectivement. Donc, il y a des centaines d'outils lithiques, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui sont conservés dans les laboratoires du CNRPH et qui sont en train d'être étudiés par des étudiants, pour en faire des thèses. Donc, c'est des outils caractéristiques de cette culture dite oldoyenne, hein, donc très caractéristiques, comparables à ceux qu'on connaît en Éthiopie, par exemple, à Gona, en Afrique de l'Est. Alors, tout à l'heure, dans le documentaire que vous avez, donc, que le centre a réalisé, on a dit que l'Algérie est un musée à ciel ouvert. Nous avons essayé de repérer un certain nombre de sites, c'est-à-dire les historiens ont tenté, etc. On a énuméré une cinquantaine de sites archéologiques. Est-ce qu'il n'y a qu'une cinquantaine en Algérie, à vrai dire? Combien de sites? Alors, en Algérie, il n'y a pas une cinquantaine, il y a des milliers de sites, peut-être 50 000, peut-être même plus. Et ils représentent différentes périodes. Donc des sites préhistoriques seulement. Nous, dans le cadre d'un projet qui a été initié par le ministère de la Culture, donc l'élaboration de la carte archéologique nationale, nous avons recensé rien que pour la période préhistorique 5000 sites. Donc ces 5000 sites, ils sont déjà qui sont identifiés, répartis sur tout le territoire national. Répartis sur tout le territoire national, du nord jusqu'au sud. Aucune région n'est effectivement laissée sans occupation préhistorique. Et ces sites-là, ils représentent donc une occupation humaine depuis le début de l'humanité, parce que le début de l'humanité, pour l'instant, et on le sait, a commencé en Afrique, donc 2,5 millions d'années jusqu'à la fin de la préhistoire, donc elle correspond à la période qu'on appelle le néolithique, où l'homme commence à produire sa subsistance par l'élevage, par l'agriculture. Pour toutes ces périodes, depuis, c'est-à-dire le paléolithique dit ancien, jusqu'au néolithique, nous avons des milliers de sites et nous avons des civilisations préhistoriques très, très importantes pour toutes les périodes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces civilisations présentent une certaine continuité. Il n'y avait pas eu d'interruption en termes de peuplement ou d'occupation de ce territoire qui est l'Algérie. Donc une occupation dense, c'est-à-dire un nombre de sites très important, continue. Donc tous les jalons de l'évolution humaine sont représentés en Algérie avec force. Et ça, c'est exceptionnel, hein, parce que c'est très rare d'avoir un pays où nous avons une telle densité de sites, une telle, je dirais, plage chronologique, quasiment du début jusqu'à l'actuel. Des fois, je donne un exemple. Si on ramène l'évolution humaine sur l'échelle d'une journée, c'est-à-dire 24 heures, eh bien l'Algérie, elle est présente depuis le début de cette journée, c'est-à-dire depuis les premières minutes de la journée jusqu'à la fin de la journée, ce qui est exceptionnel. Alors que si on prend un parallèle, un autre exemple, si on prend par exemple les États-Unis, dont la préhistoire elle remonte à peu près à 15 000 ans, pas plus, et bien si on les ramène sur l'échelle de cette journée, et bien les États-Unis, qui est un pays très puissant sur le plan économique et militaire, ils ont participé à l'évolution de l'humanité que lors des dernières 5 minutes de cette journée. Donc vous voyez comment un pays comme l'Algérie est exceptionnel. Et c'est assez rare d'avoir des pays dans le monde qui ont cette présence depuis le début jusqu'à la fin de la préhistoire. C'est vraiment exceptionnel. Hein.
Exceptionnel aussi cette découverte de Ternif, j'y reviens parce que vous l'avez évoqué, parce qu'on a retrouvé également des traces de ce passage du cru vers le cuit. C'est-à-dire on a retrouvé des éléments qui attestent que l'homme de Ternif a réalisé cette mutation à travers donc, des outils qui ont été découverts selon certaines recherches, bien entendu. Le site de Ternif est intéressant et très important pour l'histoire pour la préhistoire mondiale et pour la préhistoire algérienne. Pas pour cette notion de cuisson, parce qu'il est apparu beaucoup plus tard, mais par l'ancienneté des restes humains qui ont été découverts sur ce site, et même la quantité importante de restes paléontologiques, donc qui nous permettent de connaître la faune qui vivait à l'époque. Et les prochaines datations qui vont être publiées, j'espère, cette année, vont nous réserver des surprises en termes d'ancienneté de ce site. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, plus d'un million d'années, j'espère. Selon certains anthropologues, c'est à partir donc de cette population préhistorique d'Algérie qu'on a donc effectué un déplacement vers l'Europe, à travers l'Ouest, c'est-à-dire à travers Gibraltar, mais la population était plutôt stabilisée en Algérie. Alors, les peuplements et les migrations humaines en préhistoire, c'est une question assez délicate. Oui. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en Algérie, il y a eu un peuplement très ancien et très dense. C'est-à-dire, il y a énormément de sites, notamment le Sahara aujourd'hui, qui paraît être oui. un peu hostile et difficile. Enfin, les conditions ne sont pas toutes réunies pour une implantation humaine. Parce que c'est maintenant, c'est le Sahara, mais à l'époque préhistorique, il y a eu beaucoup de phases climatiques. C'était une zone luxuriante. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc il y a eu d'ailleurs, durant la période géologique qui est dite quaternaire, qui correspond à l'apparition de l'homme sur Terre, il y a énormément d'événements climatiques importants, donc des changements cycliques. En Europe, on appelle ça période glaciaire, interglaciaire, donc il y a des moments où la glace, par exemple, la calotte polaire est arrivée jusqu'au sud de la France, quasiment. Donc la planète était couverte de glace. Les niveaux marins étaient très bas. Justement, en parlant de Gibraltar, à ces périodes glaciaires, le bras de mer qui existe entre le nord du Maroc et le sud de l'Espagne, au détroit de Gibraltar, n'est pas d'une dizaine de kilomètres. On a un archipel, plusieurs îles d'ailleurs, qui sont sous l'eau maintenant, qui permettent quasiment de traverser le détroit avec des petites embarcations, voire même à la nage, parce que la distance entre les îles est de 2 à 3 kilomètres, donc elle est très faible. C'est à travers ça, certainement, que l'homme avait pu accéder à traverser pour arriver en Espagne, où il y a eu en tout cas même la faune, donc c'est un des couloirs que la faune avait entrepris pour partir du sud vers le nord, ou inversement, du nord vers le sud, parce qu'il y a des espèces aussi du nord qu'on retrouve en Algérie. Le peuplement de la planète, enfin de l'Europe, donc, pouvait se faire par deux voies. Une à l'est, donc à travers le delta du Nil, donc l'Égypte, ou à travers le détroit de Gibraltar. Donc cette deuxième voie est de plus en plus maintenant mise en avant, parce que sur le plan de la préhistoire, on trouve énormément de ressemblances en termes culturels entre le sud de l'Espagne et l'Afrique du Nord. Même dans la fabrication de certains outils, il y a certains outils de la préhistoire, du paléolithique inférieur, qu'on appelle les hachereaux, on les trouve essentiellement en Algérie et en sud de l'Espagne. Donc c'est assez étonnant, parce qu'ils ne pouvaient pas, s'ils étaient partis de l'Est ou du Nord, on les trouverait partout en Europe, et pourquoi juste au sud de l'Espagne. Et ainsi de suite, il y a énormément de similitudes, même dans des périodes un peu plus récentes de la préhistoire. Alors, vous avez évoqué le Sahara, connu par les découvertes, les gravures rupestres, mais aussi les écritures, le téfinagh également, qui a été découvert dans la région de l'Ahgar. Le Sahara est aujourd'hui un des sites les plus fabuleux en termes de peinture, de représentation pariétale, d'art rupestre, de gravure, de peinture. On a un site d'ailleurs qui est classé au patrimoine mondial, le site de Tassili, où il y a des milliers de peintures. Certaines, malheureusement, sont moins bien préservées que d'autres à cause des
parfois pour des raisons naturelles, donc des dégradations naturelles, et parfois anthropiques, c'est-à-dire humaines malheureusement. Il y a évidemment des inscriptions qui portent des caractères du Tifinagh, et ces inscriptions on les trouve même au nord de l'Algérie, hein, pas seulement dans le sud. Elles sont peintes parfois dans certains abris ou même gravées. On les trouve même à des périodes historiques, c'est-à-dire après la préhistoire, sur des stèles dites libyques qu'on trouve un peu partout au nord de l'Algérie. Et je voudrais évoquer un site important aussi pour la préhistoire, qui est un peu la transition entre la période historique et préhistorique. Hein. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure, donc il y a une période qui s'appelle le Néolithique. C'est une période qui n'est pas très ancienne par rapport à ce qu'on a évoqué, les 2,5 millions d'années. Le néolithique en Algérie, il a commencé à l'Holocène, géologiquement parlant, donc il y a à peu près un peu moins de 10 000 ans. Et il y a des sites très importants en Algérie qui représentent cette période-là, des sites dans le sud, comme le site de Tinanakaten, très très riche, et le site aussi de Geldamen, c'est une grotte préhistorique où j'ai moi-même dirigé les fouilles depuis 2010. Et c'est là qu'on a établi, par exemple, que les hommes qui occupaient cette cavité naturelle étaient des pasteurs. Donc, ils élevaient essentiellement des chèvres qui étaient adaptées à ce relief un peu escarpé. Et on l'a identifié grâce aux restes paléontologiques, aux restes de faune que nous avons découverts dans ce site. Et cette aussi preuve de domestication animale, on l'a mise en évidence autrement par des analyses de résidus organiques. Dans les poteries, on a découvert du lait qui a été cuit dans des poteries. Donc là, justement, on est en pleine période où l'homme faisait de la cuisine. Donc on a même découvert des foyers intacts, avec pavés, avec des pierres et des charbons, même des restes de viande qui a été consommée, donc des ossements intacts, hein, qui n'ont pas bougé depuis 7000 ans. Parce que les occupations dans ce site, à Geldamen, cette grotte qui s'appelle aussi Ifeli Bogdour, hein, pour la région, les occupations partent de 7200 ans jusqu'à 4000 ans. Et voilà, donc il y a beaucoup de restes aussi culturels, de la poterie, des outils lithiques aussi, mais beaucoup plus élaborés, des pointes de flèches, parce que bien qu'ils étaient des pasteurs, ils continuaient aussi à faire de la chasse occasionnelle, de l'industrie osseuse, des outils fabriqués sur des restes sur l'os d'animaux, donc des différents types d'outils pointus, des aiguilles, des poinçons, etc. C'est extrêmement riche, en tout cas, la préhistoire algérienne, elle est vraiment exceptionnelle. Maintenant, on va parler un petit peu du rôle du Centre national de recherche en préhistorique, anthropologique et historique. Est-ce qu'il a une stratégie de préserver, mais aussi de mettre en valeur tous ces sites? Alors, le Centre de recherche, comme son nom l'indique, est un centre qui est dédié à la recherche scientifique. C'est l'étape juste après les explorations, les recherches sur le terrain, c'est-à-dire après les fouilles archéologiques, tout le matériel qui est collecté sur ces sites, il parvient au centre. Avant qu'il arrive, bien évidemment, il est déjà numéroté, il est saisi dans les bases de données, c'est-à-dire chaque outil, chaque objet archéologique est identifié. Une fois qu'il arrive au centre, nous avons des laboratoires, plusieurs laboratoires. Un laboratoire qui est dédié à tout ce qui est outils lithiques. Tous les outils qui proviennent des sites vont dans ce laboratoire. Nous avons aussi un laboratoire de paléontologie donc, qui concerne tous les restes de faune. Un laboratoire d'anthropologie pour tout ce qui concerne les restes humains. Et d'autres laboratoires que nous sommes en train de monter, notamment un laboratoire de sédimentologie pour faire des analyses sédimentologiques et géologiques. Nous avons aussi une cellule d'infographie qui travaille sur la reconstitution des peintures rupestres, sur même les cartes archéologiques, donc les systèmes d'information géographique. Voilà, toutes ces disciplines, donc c'est ça la stratégie du centre, c'est de les mettre au service donc de la recherche. Donc il faut pratiquement une armée de chercheurs pour assurer un suivi à toutes ces découvertes qui sont importantes. Absolument, parce que le territoire algérien est un continent. C'est vraiment exceptionnel aussi de ce point de vue-là. Bon. C'est 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand qu'un pays, un peu moins qu'un continent. Donc pour l'explorer sur le plan de la recherche archéologique,
il faut effectivement une armée de chercheurs, d'archéologues, même une implantation des centres de recherche un peu partout au niveau national. Hein. Un seul centre. Nous avons d'autres annexes, heureusement, aujourd'hui, à Enmlila, à Tlemcen et à Tiaret. Et on espère dans les prochains mois et les prochaines années une implantation du centre au niveau national, donc plusieurs annexes, plusieurs stations, pour pouvoir étudier localement toutes les régions d'Algérie qui sont extrêmement riches. Donc il faut à la fois de la ressource humaine aussi, mais pas seulement, il faut des moyens techniques. Pour aujourd'hui, la recherche archéologique, elle dépend beaucoup de la technique. Pour faire les datations, c'est extrêmement... Il y a des appareils de pointe, des équipements de pointe. Il faut des équipements scientifiques, effectivement, assez importants, même qui coûtent assez cher et qui exigent une technicité et des connaissances en physique très poussées. Nous avons aussi besoin d'analyses physico-chimiques pour identifier, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, des résidus de lait dans une poterie préhistorique il y a 7000 ans. Donc ça, c'est tout à fait récent d'ailleurs, ces techniques, nous les avons utilisées. Je peux même évoquer un autre exemple, la reconstitution du climat. Elle peut se baser aussi sur des données physico-chimiques. Nous avons réussi à prouver, par exemple, au niveau de ce site de Gelderman, que le climat, depuis 6000 ans jusqu'à 3000 ans, a subi des variations, donc des phases d'aridité et d'humidité à certaines périodes, et qui correspondent d'ailleurs aux périodes où l'homme a occupé avec une grande densité ce site. C'est-à-dire, quand le climat était favorable, il était présent en grand nombre, donc il avait certainement un cheptel très important, parce que les conditions environnementales végétales étaient favorables pour élever beaucoup de chèvres et moutons. Et on a par exemple découvert qu'il y a 4200 ans, une crise d'aridité aiguë, qui est connue d'ailleurs dans le monde entier. Et c'est cette crise d'aridité qui est bien enregistrée au niveau de ce site. Nous l'avons découverte en fait sur ce qu'on appelle des stalagmites. Les stalagmites, c'est des roches calcaires, c'est de la calcite qui pousse dans les grottes. On lamine de croissance annuelle, c'est des couches, hein. C'est comme un oignon quand on le coupe dans son axe longitudinal. Et chaque couche de calcite, en fait, elle enregistre, elle conserve les paramètres climatiques de la période de sa formation. C'est comme ça qu'on a pu reconstituer le climat dans cette grotte. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y a 4200 ans, il y a eu une crise d'aridité aiguë et qui correspond à l'abandon de la grotte par ses occupants préhistoriques. Voilà un peu... Donc, j'aimerais vous poser une question, l'avant-dernière question, par rapport à l'accueil de la découverte de Ain Bouchrit, il y a 2 années, c'est-à-dire le monde de la recherche sur le plan international n'a pas vraiment applaudi, n'a pas réagi vite à cette découverte. Pourquoi ? Alors, on ne peut pas dire que c'est le monde entier qui n'a pas pu, pas du tout. Certaines parties du monde sont les indiquées du doigt. Et ça, c'est bon, pour des raisons, on va dire, de rivalité scientifique, etc., hein, que je pense que ce n'est pas le moment de rentrer dans ça. Et c'est minoritaire, hein, c'est pas tout le monde, c'est vraiment quelques individus qui, des équipes de recherche en fait, rivales de celles du professeur Zahnouni, qui ont un petit peu voulu ternir un peu cette découverte, alors que c'est une découverte tellement importante et tellement établie qu'il est même impossible à cacher ou bien. Donc pour moi c'est un événement qui n'est pas mondial du tout, c'est, au contraire c'est juste une petite manœuvre médiatique qui a vite échoué parce que les grands scientifiques ont tout de suite applaudi cette découverte et ont affirmé avec beaucoup de force que c'est effectivement une découverte majeure et qui place l'Algérie parmi les pays en fait, qui ont un peuplement très très ancien. On termine avec donc une question concernant donc la fameuse revue du Centre national de recherche anthropologique préhistorique et historique, CNRPH, Libica. Vous avez décidé, pris l'initiative de la relancer. Une revue qui a marqué les années 70, tous les chercheurs en anthropologie en Algérie, qui ne s'est pas un jour qui est inspiré de cette revue dans le cadre de ses recherches. Absolument. Donc ça, c'est une fierté pour nous, pour le centre, le CNRPH,
ressortir cette revue, de l'éditer, de l'imprimer, parce qu'elle est en train d'être imprimée maintenant, à l'instant même, par l'ENAG, l'entreprise nationale du livre. Elle s'est interrompue depuis 1998. Donc le dernier numéro donc, remonte à cette année-là. Il porte le numéro 35. Et en 2020, nous avons sorti le numéro 36, qui est un numéro assez copieux, volumineux, qui compte 480 pages. Et c'est une revue très importante parce qu'elle était, elle avait un grand prestige à l'époque. Hein. Elle a commencé à apparaître dans les années 50. Hein. Le premier numéro remonte à 1953. Et quasiment sans interruption, chaque année, elle sortait. Donc, il était, en tout cas moi, c'était un défi de la ressortir parce que c'est dommage qu'une telle revue avec un tel prestige ne continue pas à vivre. Surtout qu'il y a des résultats très importants, comme ceux de Ayn Bouchret et ceux de Gelderman et d'autres sites, Medjaz, toute l'Algérie est riche de sites. Cette revue, donc, elle vient de paraître maintenant, 2020, et nous avons aussi décidé de ressortir toute la collection, c'est-à-dire depuis le premier jusqu'au dernier numéro, sous forme de coffret. Donc nous avons numérisé tous les numéros de Libica, et voilà, nous sommes heureux de ressortir. Alors c'est une revue qui sera ouverte à tous les chercheurs des sciences humaines, ou bien uniquement à ces spécialités de la préhistoire, l'histoire et l'anthropologie? Cette revue, elle est ouverte à tous les chercheurs, d'une manière générale. Bien sûr, ceux qui sont spécialisés en préhistoire ne peuvent pas faire l'impasse sur les Libica, parce que c'est une revue indispensable. En anthropologie aussi, et bientôt un peu aussi l'histoire, parce que nous avons créé une nouvelle division en histoire au CNRPH, qui est très active. Donc cette revue, c'est une revue scientifique, donc elle est avant tout destinée aux chercheurs, mais elle est accessible à tout le monde. On peut lire les articles de Libica, si on s'intéresse à la préhistoire, à l'archéologie, très facilement. C'est très abordable. Et elle sera aussi, comme je l'avais dit, elle est déjà numérisée. Donc une partie, les anciens numéros vont être mis en ligne. Non, je parle, c'est-à-dire des auteurs. Est-ce qu'elle sera ouverte aux jeunes chercheurs? Oui, bien sûr. La revue, elle est accessible. Elle est déjà en vente. Donc elle est en vente au CNRPH. Nous avons une librairie. Elle est accessible au niveau de notre bibliothèque. Elle sera accessible également, les anciens numéros, sur Internet, parce qu'ils sont déjà numérisés. Tous les chercheurs du monde entier pourraient la consulter, même à distance. Est-ce qu'en termes également de projets, de recherche, etc., vous avez ciblé un certain nombre donc, d'autres sites qu'il va falloir relancer cette année? Alors, en termes de recherche archéologique, nous avons ciblé toutes les périodes préhistoriques, donc des plus anciennes, donc le paléolithique ancien, comme à Ayn Bouchret, jusqu'au néolithique, donc les recherches dont j'ai évoqué tout à l'heure à Gelderman. Mais entre ces deux périodes extrêmes, c'est-à-dire la plus ancienne et la plus récente de la préhistoire, il y a beaucoup de périodes préhistoriques de civilisations très très importantes. Au paléolithique inférieur, donc la civilisation acheulienne est très importante. Nous avons des recherches dans ce sens du côté de Tabel Bala, dans le sud algérien. Nous avons aussi, pour les périodes où l'homme moderne, dit Homo sapiens, est apparu, donc nous avons la culture atérienne qui est très importante aussi en Algérie, des sites très très nombreux en Algérie, des équipes qui partent un peu partout, donc si on est en Algérie. Toutes les périodes, en fait, ne doivent pas être négligées parce que c'est tout un enchaînement de civilisations qui constitue aujourd'hui la personnalité algérienne. Nous avons donc tout intérêt à les étudier, à sillonner l'Algérie, et nous avons aujourd'hui des chercheurs, des jeunes chercheurs qui sont très bien formés et sur qui je compte beaucoup pour porter très haut l'étendard de l'Algérie. Pour ce site de Tabel Bala, peut-être on termine avec. Est-ce que vous avez commencé déjà les recherches? Le site de Tabel Bala, c'est comme le site de Ayn Bouchret, comme celui de Gelderman. Nous avons des fouilles régulières. Hein. Annuellement, chaque année, nous avons une campagne de fouilles. Et quand, à cause du Covid, malheureusement, maintenant, donc il n'y a pas eu de mission de terrain,
Mais les chercheurs qui travaillent sur ces sites-là continuent à travailler sur le matériel archéologique qu'ils ont collecté. Donc ils sont en train de l'étudier, de le mesurer, de le mettre dans des bases de données, de faire des articles, des publications, par certains aussi des mémoires de doctorat, etc. C'est le seul domaine, à mon avis, où on travaille discrètement, mais sûrement. L'anthropologie et la préhistoire, c'est... Oui, c'est un domaine, en fait, qui était intéressant parce qu'on le fait par passion, ce métier. On ne le fait pas pour d'autres considérations matérielles. Et en fait, en retour, on reçoit beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction parce que à chaque fois qu'on fait des recherches, à chaque fois qu'on fouille, à chaque fois qu'on s'intéresse à un site, à des objets, on est en train de faire de l'histoire de ce pays-là d'une manière inédite. Hein. C'est pour ça qu'on dit, on dit préhistoire, parce que ce n'est pas écrit, mais ce sont les préhistoriens qui écrivent cette préhistoire avec leurs recherches, avec leur investigation. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier vivement, M. Farid Kharbouch. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre national de recherche en anthropologie préhistorique et historique, CNRPH. Et je tiens à remercier également M. le professeur Mohamed Sahnouni, anthropologue et préhistorien, d'avoir participé à cette émission. À très bientôt.